Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Evil Within. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la moelle. Essayons ce mot de passe. Le mot de passe. Désolé pour le peu, hein. Aujourd'hui je devais recevoir ma mousse un petit peu te... Voilà, bref, mon filtre anti-pop pour le micro. Mais bon, je devais être livré par Chronopost. Alors autant vous dire que comme prévu, ça a mal tourné. Casse les couilles. Je suis un peu vénère, on va pas se mentir. Donc bon, normalement demain je l'ai fait livrer directement à la poste. Comme ça moi je suis sûr que je l'aurai. C'est pas grave, je les déteste. Si vous êtes livreur Chronopost, j'espère que vous faites bien votre travail. Sinon vous faites partie de cette majorité d'enculés. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. Bref, ne parlons pas de mes mésaventures. Et concentrons-nous sur le game. Nous allons donc aller vers l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Paf. Ah oui, moi je me suis un peu battu les couilles. Faut que je trouve la sortie B2. C'est ça? Il y a un point de sauvegarde. Ok. Alors. Hello. Non. Poudre à canon. C'est toute la carte d'Union. C'était vraiment grand. J'avoue. Ah. On dirait que c'est ici qu'il concevait les différentes parties d'Union. Croissance d'Union. Alors. Grâce au succès du plan de centre de recrutement, Mou, la croissance d'Union dépasse toutes les prévisions. La fabrication de questions du système a été augmentée, l'expansion d'Union a été esquissée et programmée. La carte d'Union va réincarner de 50%. Ah, on l'envoie à tous les nouveaux citoyens. Ah, tous les nouveaux citoyens doivent avoir un emploi. Le plein emploi, mon cher. Le plein emploi. Ah ben voilà, l'État. L'État, qu'est-ce qu'il attend? L'État qui cherche le plein emploi, qui n'est plus atteignable, puisque je vous rappelle que l'homme est remplacé petit à petit par les machines, ce qui est normal. Et voilà, plutôt que d'essayer de chercher le plein emploi... Ah, c'est V la touche de mal. Plutôt que chercher le plein emploi, allons-y, ouvrons un STEM, parce que dans le STEM, tu peux le permettre le plein emploi. Quelqu'un veut un boulot, et bien tu lui crées. Incroyable, n'est-ce pas? Pourquoi le serveur il s'est allumé comme ça? Ça s'allume pas comme ça un serveur. Normalement faut appuyer sur une touche d'allumage. Je peux taper dedans. Y'a quoi sur ces serveurs? Le STEM, je sais, mais il pourrait y avoir toute la collection porn de je sais pas moi. Manuel Ferrara. Oh, on m'a entendu. Hein? Alors... Non mais... Le serveur s'allume et s'éteint à ma présence? C'est moi qui ai fait ce bruit. Elle était là, cette flaque de sang? Mais attendez, mais c'est pas moi qui m'imagine des trucs dans ma tête! Oh putain, lui la porte il s'est fermée sur sa gueule. Ça c'est une mort nulle! Oh le pauvre! Faut que j'aille par où? Là, ça me permet de revenir en arrière. La situation n'a pas l'air idéale ici non plus. Ben non. Un coffre! Mip mip! Je crois qu'il y a des messieurs en bas.
C'est ça que je voulais. C'est des balles de sniper, on est d'accord. Ah non, c'est des balles de pompe, pardon, excusez-moi. Hop. Hop là. Et ça gratte de 2 de plus. Y'a pas un zombard là, ok. Mais d'ailleurs, j'ai marché, hein, qui m'a entendu, c'est bizarre. Donc c'est bien voir là. Quoi? Ah, j'ai dû mettre un coup de roulette. Ouais, voilà, j'ai mis un coup de roulette en même temps, je crois. Ok. Donc là, je suppose que j'ai des petits potes qui m'attendent. On va pas gaspiller les carreaux pour eux. Parce qu'on a vu que les carreaux c'était quand même assez powerful. Attendez, on va jouer à la sécurité. Ah, tiens, il y a une porte là. Bon appétit! Mais pourquoi? J'ai pas compris. En fait, j'avoue, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon. Ok. T'es un peu la moitié d'un con, par contre, tu feras gaffe. Et donc lui là qui se fout allègrement de ma gueule. Tu vas me dire qu'il m'a pas entendu. Non, c'est juste une grande zone. Et c'est fermé. Bon, je pense que c'est pas plus mal que ce soit fermé, mais... C'est tout? Décapité sommairement. Procédure de verrouillage d'urgence actuellement enclenchée. Le verrouillage peut être désactivé en l'ajustant à la fréquence de votre communicateur. Autant essayer. Je ne capte pas. Sérieux? Verrouillage d'urgence de la zone de loisirs désactivé. Réinitialisation du système. Ah ouais, il me voit. Verrouillage d'urgence du département de recherche désactivé. Réinitialisation du système. Oh! Mais il a pas le droit, il bourre comme un âne et ça marche. Le seul survivant est lui. Oh, et puis merde. Je sais pas viser de toute façon. Ah! Mais tu vas te calmer, oui! Hop là, esquive! Oh, mais je suis. Mais je suis vraiment nul! Quoi? Mais non, elle me voit pas. Putain, me voit. Ah, faut que j'en charge. Picouze. Ah oui. Quoi? Quoi? Non. Non, attendez là, non. Non mais vous avez vu comme moi. Non mais vous avez vu comme moi. Elle s'est téléportée. Il y a eu triche. Non mais vous me soutenez s'il vous plaît. Il y a eu complètement triche. Le jeu il a triché. Vous l'avez vu, elle s'est TP sur ma gueule.
Ah tiens, une échelle là. Information intéressante. Procédure de verrouillage d'urgence actuellement enclenchée. Le verrouillage peut être désactivé en l'ajustant à la fréquence de votre communicateur. Autant essayer. Je suis si mauvais que ça. Ah, attendez. Ok. Verrouillage d'urgence désactivé. Le système doit réinitialiser chaque annexe. Veuillez patienter. Verrouillage d'urgence de la zone de loisirs. Désactivé. Réinitialisation du système. Ah, pochette améliorée. Pour l'arbalète en plus. Verrouillage d'urgence du département de recherche désactivé. Réinitialisation du système. Allez. Tiens. Parce que j'ai pas visé ça. C'est gâteau. C'est gâteau. Quoi, il en faut plus encore? Mais quoi? Le mec il a déjà plus de tête. Voilà. Verrouillage d'urgence de l'annexe de sécurité désactivé. Réinitialisation du système. Paf! Ah, manqué. Allez, à plus. J'espère que c'est terminé. Il faut que je conserve des munitions. Mais oui! Voilà. Ah mais du coup il y a tout qui s'est ouvert. Des balles. Et c'est tout. Un gros bouton rouge. Ce serait bon pour blanquer une statue, non? Faut que j'ouvre les yeux. Ce serait un endroit parfait pour planquer une statue. Faut que j'ouvre les yeux de ouf. Nah, je peux pas voir ça là. Ah oui, c'est vrai que du coup j'ai pas tiré avec le popon cette fois-ci. J'ai économisé mes balles. Ah, dommage. Dommage, fromage. Putain, j'aurais juré que ça aurait été le bon endroit pour planquer une statue par contre. Eh bien apparemment, non. Waouh, au pire, hein. Tant pis, hein. Vous êtes sûr que cet endroit ne mérite pas une statue, hein? Ok.
Alors qu'est-ce que c'est cet endroit? J'ai un nid. Oula. Ah, je vais rattraper l'autre zone, j'ai l'impression. Bordel, cette odeur. Ah non, c'est la suite. C'est la suite. Non mais. Ah oui, c'est la suite. Attendez. Du coup. Ah oui, mais en fait, j'avais pas le choix. C'était dans mes rêves que j'avais le choix. Ah, attendez, je vais foutre la merde là, c'est ça? Ok. C'est dégueulasse! Ah oui, c'est vrai qu'il y a du gaz toxique et tout. Y'a pas de zonzon. Je vais te méfier quand même. Moi je dirais qu'il y a des trucs hein. Ça c'est la suite. Putain mais non mais... Je veux explorer s'il vous plaît. Laissez-moi explorer. Oui, il y a du gaz toxique donc je suppose que c'est la suite. Ah, je l'ai manqué ça quoi. Truc qui brille. Truc qui brille égale loot. Loot égale bien. Du pomme encore. Ah! Faut vraiment je pense mes balles de pomme parce qu'apparemment ils sont assez généreux sur ces dernières. Bon mais la zone toxique. Allons-y. Voilà donc le fameux Merci O'Neill. J'aurais jamais pu traverser sans ce truc. C'est un vrai labyrinthe ici. Allez donc pour le... Merde. Pas question d'utiliser des armes à feu. Stylé la phase en FPS. Oh non, ils ont pas fait l'exécution hein, en first person. Ah oui, mais c'est vraiment un labyrinthe. Et non, mais... Ah mais c'est une porte fermée l'autre qu'on a vu mais il y a un truc au bout quand même. Ok. T'es qui là? Oh non, ce bruit ça sent le... Voilà. Ah!
Ah mais bah, c'est ma barre de stamina qui se barre. Je vois rien. Ah mais... Tiens, je m'embrasse, je te bourre. Ah oh, putain, c'est horrible un FPS, on voit rien. Mais je suis pas censé avoir un dash moi. Mais si, je suis censé avoir un dash. Où c'est que j'ai mes habitudes là? Ah, je sais jamais si je suis planqué ou pas. Faisible. Oh, j'aurais pu le planquer là. Je suis où? Par là, par là, par là, pas? Je sais pas. Ah! J'ai pas peur. Vous avez peur, vous? J'avais pas vu la porte. Salut. Oh. 3, 2. Ça fait quelque chose. Oui. Ha! Ça a réveillé tous les zombies. Ah, enfin. Quelle puanteur sous ce masque. Et encore, te plaît pas trop. Hein. Parce qu'apparemment, Oni, t'a quand même filé un casque neuf. Hein. Là où il aurait pu en avoir rien à foutre, il te file un... Ouais mais ça me fait chier parce que là j'ai trouvé un... Ah non peut-être pas. Objectif d'expansion là. Grâce au succès du nouveau plan de recrutement, nous atteignons nos objectifs de données. Chaque citoyen d'Union ajoute 5 exactés au... 2 millions d'exactés sont nécessaires pour que tu aies le stem sans fil. Quelques mois.
Ah, ils veulent vraiment conquérir toute la planète, quoi. Les mecs, c'est le mal. Ah, mais je suis full life! Mais qui s'est passé quoi? En fait, je veux ça. Mais vous faites chier, moi je veux fouiller en fait. Je sais pas où c'est qu'est la suite du jeu et je sais pas où c'est que je peux fouiller. Bonjour. Un coffre. Est-ce qu'il y a un zonzon mort quelque part qui est là pour me pranker? Il semblerait pas. Ce qui me permet donc d'ouvrir le coffre. Et... Grosso merdo, si j'ai besoin de balles de pompe, je fais juste demi-tour, j'en ai partout. Quel est le drama? Je peux pas. L'effondrement a provoqué une fuite de gaz dans les tunnels. Eh oh, quelqu'un m'entend? C'est Watkins. Watkins. Aïe. L'effondrement arrive plus vite que prévu. Et il touche même la moelle. Et... Les créatures essayent de s'infiltrer. Il faut m'aider. On risque rien de ce côté. Venez. Je peux pas. L'effondrement a provoqué une fuite de gaz dans les tunnels d'accès. J'ai laissé mon respirateur dans le blindé. Envoyez-moi une équipe par les tunnels avec un respirateur. Désolé. Bande d'enfoirés. Vous savez ce que j'attends? Le moment où on va me faire peur dans un tunnel. J'en salive d'avance. Mais vas-y! Dis-le que je suis gros! Connard! Ça a l'air bien clean par ici. Exit B2. Mais c'est pas là que je devais aller? Aïe aïe aïe! Bonjour! Ma porte de sortie vers Union. Oh, des balles? Des plantes? Quoi, c'est tout? C'est comme ça qu'il m'accueille en héros? Bon. Eh bien, hôtel de ville. Bon. Et bien ma foi. Sympa, hein. Ouh. Ça c'est sympa par contre. Allez, juste pour le plaisir. Un bon petit café. Glou, glou, glou. Bon. Celui-là. Accepté. Meow.
Alors 180 pièces détachées, c'est pas beaucoup, je crois. J'ai pas une vitesse de rechargement. Ça m'avait l'air tellement sexy que je l'ai pris. Carreau harponneur, du coup je peux faire. Ah pardon, je suis désolé, je fais que des peu depuis tout à l'heure. Voilà. Et j'ai. Ah, j'ai pas beaucoup de gel vert, je crois. Aïe aïe aïe. En même temps, il y avait pas grand monde. Pas beaucoup de gel vert à gratter. Vous n'arrivez plus à vous passer de moi, on dirait. Alors. C'est Tatiana, moi, mon genre de fille. C'est les brunes, cheveux mi-longs, longs, avec peu de poitrine. Cependant, je t'avouerai que dans un jeu vidéo, tenter de me faire ça, ça ne m'aguiche, mais alors, pas du tout. Tu serais une femme humaine. Tu serais une femme. Parce que femme implicite que c'est une humaine, globalement. Dans la majorité des cas. Je dirais pas non, hein. Surtout si c'est très ma petite, ça serait ben ta mère. Surtout si ça serait ma petite amie. De toute façon, peu importe ce que ferait ma petite amie. On va se mentir, je serais excité. Dans tous les cas, je suis un faible moi. Mais voilà, là, je t'avoue que virtuellement, tu me. Alors là, tu m'as pas du tout. À la limite, tu m'as fait peur. C'est tout ce que t'as gagné, quoi. Oh la tristesse, en fait, je me rends compte que j'ai besoin de rien, envie de toi. Ça n'a jamais proc ça encore, je crois. Ouais, limite on va acheter ça, quoi. Oh, j'avoue que là c'était pas. Voilà, moi en compétence, c'était pas abondant. Oh, j'ai encore des balles de pompe là. Oh putain, j'en ai partout. J'ai des balles partout. C'est quoi ça? C'est une trousse de soins. Ah. Attends. Je l'ai au moins l'amélioration. Je crois que je l'avais, hein. Furtivité. Ouais. R. Espace sans arrêter une attaque. Lorsque l'icône rouge s'affiche. Ah, j'ai peut-être pas vu. Après, je. Peut-être qu'un effet c'était désactivé. Bon, mais voilà. Eh bien écoutez les gens, vu qu'on va s'attaquer à un nouvel arc, histoire de pas faire une vidéo trop longue, je vous propose pour une fois, et ça m'arrive rarement de l'être, d'être quelqu'un de raisonnable et de s'arrêter ici. Voilà. Plutôt que partir dans une vidéo d'1h30, je vous propose aujourd'hui d'être là, tranquille, on a traversé la zone, on a tué du zonzon, et on va découvrir ce que nous attend, ce que nous prépare le jeu et ce qui nous attend dans la suite. Dans le prochain épisode, qui arrivera bien entendu très bientôt. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à laisser un commentaire. Et à vous abonner. Et à me suivre sur Twitch. Et... voilà. Des bisous et à très vite.